vous entendre la parole. Bonsoir. Je m'appelle Pasteur Young Lee. Je m'appelle le Pasteur Young Lee. Jésus vous aime et je vous aime aussi. Amen. Today something good is going to happen to you. Ce soir quelque chose de très bon va nous arriver. God already prepared great miracles, blessings for you tonight. Dieu a déjà préparé de grandes bénédictions et de grands miracles pour nous. Expect a great miracle. Attendez-vous à de grands miracles. Our God is so good for us. Notre Dieu est si bon pour nous. God sent His only precious Son to save us. Dieu a envoyé son précieux Fils pour nous sauver. This God's love for us. It's the castle for us. C'est pour nous qu'il l'a envoyé. Today's scripture verse is a gospel according to Luke 2:41-46. Ce soir, nous allons lire dans Luc au chapitre 2, des versets 41 à 47. Many preachers do not talk about the cross of Jesus Christ. Beaucoup de prédicateurs ne parlent plus de la croix de Jésus-Christ. Many preachers do not speak about the power of the blood of Jesus Christ. Beaucoup de prédicateurs ne parlent plus de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Without the power of the blood of Jesus Christ, we cannot overcome the old sin and simple world. Sans la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir la victoire sur le péché. The cross of Jesus Christ is the center of our faith. Le sang de Jésus-Christ est le centre de notre foi. We must believe in Jesus Christ and His power of the blood of Jesus Christ. Nous devons croire en Jésus et en la puissance qu'il y a dans son sang. So, by receiving the power of cross in everyone's place. Et donc nous devons recevoir la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Receive the power of the blood of Jesus Christ. Recevez la puissance, le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus. Couple of months ago, il y a quelques mois, my church elder came to me. Un des anciens de mon église est venu me voir. Pastor, please come to the hospital with me. Il m'a dit, s'il vous plaît, pasteur, venez à l'hôpital avec moi. My granddaughter is dying. Ma petite fille est mourante. Couple of weeks ago, she got cold. Quelques semaines avant cela, elle a attrapé un rhume. Somehow, virus penetrate the heart. On ne sait pas comment, mais le virus a pénétré le cœur. Because of the virus, the heart function almost stopped. Et à cause de ce virus, le cœur s'est presque arrêté de fonctionner. Only brain was functioning properly. Seulement son cerveau fonctionnait correctement. She was in the intensive care unit in the hospital. Elle était dans l'unité des soins intensifs de l'hôpital. Doctor said she would die a couple of days. Et les docteurs ne lui donnaient que deux ou trois jours avant de mourir. And the first Christian nurse in the hospital said to me. Et les chrétiens qui travaillaient dans cet hôpital m'ont dit. Doctor said it is impossible to save her life. Les docteurs ont dit qu'il était impossible de sauver sa vie. If you come to the hospital and pray for her, she'll alive. Si vous venez, ils ont dit si vous venez à l'hôpital et priez pour elle. Elle guérira. She has a great faith. Elle a une grande foi. And I went to hospital with the elder. Donc je suis à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital avec cet ancien. I saw her at the first time she was unconscious. Et la première fois que je l'ai vue, elle était inconsciente. I cannot see any hope in this situation. Et dans cette situation, je ne voyais aucun espoir. Mais je crois dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Her grandfather
believe in the power of blood of Jesus Christ. Son grand-père, le grand-père de cette jeune fille, croyait dans la puissance du sang de Jésus-Christ. The nurse believe in the power of Christ, the blood of Jesus Christ. L'infirmière qui travaillait dans cet hôpital croyait elle aussi dans la puissance du sang de Jésus-Christ. We pray all together. Et nous avons prié tous ensemble. Our Heavenly Father, have mercy on her. Père éternel, aie pitié d'elle. Have mercy on her. Aie pitié d'elle. By the power of the blood of Jesus Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Be here. Sois guéri. Be here. Sois guéri. I pray and pray and pray. J'ai prié, prié, prié. And the elders said, Amen, Amen, Amen. Et l'ancien qui était avec moi disait Amen, Amen, Amen. So I come back after finishing my prayer. I come back to my office. Après avoir prié, je suis retourné à mon bureau. Then, et cette nuit-là, God gave her life back. Dieu lui a rendu la vie. Alléluia. Alléluia. Her heart was functioning normally. Son cœur s'était remis à battre normalement et correctement. Right now she's in good health. She's in good health. Maintenant elle est en bonne santé. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Béni soit Dieu. If you believe in the power of the blood of Jesus Christ, si vous croyez dans la puissance du sang de Jésus-Christ, you will have the same miracles tonight. Vous pouvez avoir le même miracle vous arriver ce soir. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. So, blood of Jesus Christ on the cross will cure all the diseases and sickness. Le sang de Jésus sur la croix peut guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Let's have the cross-centered faith. Ayons une foi centrée sur la croix. Believe in the power of the blood of Jesus Christ. Croyez dans la puissance du sang de Jésus-Christ.